J'espère que ça va bien. Moi, je viens de terminer ma semaine la plus intense. C'est ça, de l'année scolaire. Dans le fond, c'était ma semaine de fin d'étape, remise au bulletin, rencontre de parents, tout ça dans la même semaine. Donc, c'est ça, là, il a fallu que je finisse de corriger mes derniers examens, que je mette toutes les notes là, sur le bulletin, que je mette des commentaires et tout. Ensuite de ça, j'ai aussi des rencontres de plan d'intervention avec certains de mes élèves. Et ensuite de ça, j'ai rencontré les 24 parents. Donc, je vous dirais que hier, quand j'ai fini ma dernière rencontre, là, c'était comme un poids là, qui m'a enlevé de mes épaules. Puis jeudi soir, dans le fond, c'est vraiment la soirée. Là, j'ai comme terminé à presque 8 heures. Mes parents avaient été chercher les filles à la garderie, puis ils sont restés avec mes parents hier. Donc là, on est rendu samedi, le 16 novembre. J'ai été les rejoindre hier soir. On s'est fait venir la petite pizza. On a écouté un film de Noël, le premier de l'année. C'est ça. Je suis vraiment contente. Là, ce matin, pour vrai, ça, c'est tellement des nuits de pipi avec Jade. Elle vit beaucoup d'insécurité. Là. Elle se réveille plusieurs fois par nuit. J'ai de la misère à pouvoir dormir là, la nuit, en plus, ces temps-ci. Donc là, même, je vous dirais que cette nuit, c'était la première nuit que j'ai trouvée. Comment qu'on pourrait dire? Une nuit réparatrice. Ouais, ça a vraiment fait du bien. Ils ont dormi toute la nuit et se sont réveillés à 7 heures. C'est rendu que même dans la semaine, mes filles se réveillent à comme 5h30 depuis le changement d'heure. Là. C'est assez capoté. Pour vrai, je suis brûlée. Brûlée. Donc, pour vrai, j'avais vraiment hâte en fin de semaine. Donc là, on a eu une belle nuit. Pour vrai, ce matin, j'ai fait ma demande de versement anticipé. Si vous êtes des parents et que leurs enfants vont encore à la garderie, je vous conseille de le faire avant le 1er décembre si vous voulez avoir vos versements là, vraiment à partir de janvier. Petit conseil de maman ici. Donc, j'ai fait ça. Pour vrai, là, une chance que je suis une maman allumée qui comprend quand même assez la technologie. Puis, je veux dire, je suis vraiment pas pro, là. Mettons que je me fie à ma collègue qui a 10 ans de moins que moi. Je vous dis, elle est vraiment meilleure. Mais pour vrai, je trouve ça tellement compliqué. Puis, j'étais comme une maman un peu, je sais pas, là, qui est comme... Je trouve pas le mot, le terme exact, là, mais quelqu'un qui a... C'est ça, là, qui est comme moins de facilité avec la technologie ou tout ça. Je suis comme, mon Dieu, je sais pas comment elle s'y prend parce que même moi, j'ai vraiment eu de la misère puis je trouve ça donc bien compliqué. C'est ça, puis ensuite, voilà, mes filles ont pris leur bain. Là, j'ai été faire 2-3 petits achats à l'épicerie là, qui manquaient là, pour notre journée. En fait, aujourd'hui, les plans, c'est qu'on va aller à un marché de Noël là, dans un petit village à côté de chez mes parents. C'est vraiment pas gros, là, dans une petite église. On a déjà été plusieurs fois, à plusieurs années, en soi. Mais ça, on va revenir, on va dîner. Mon frère et Joanie vont arriver début d'après-midi. On risque d'aller se promener un petit peu dans le bois, peut-être jouer à des jeux dans l'après-midi. Puis, c'est mon souper de fête qui a été reporté. Je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a 2 semaines, je disais que mes filles avaient attrapé la picote et que c'était comme reporté. Donc, c'est ça. Alors, c'est mon souper de fête. On fête aussi la fête à mon père en même temps parce que sa fête, c'est le 13 novembre. Ça vient de passer cette semaine. Donc, parrain, marraine s'en viennent. Mon frère, c'est ça, sa blonde. Et avec mes filles, fait que ça va être super cool. Une belle fête en famille. Puis, je vais redormir chez mes parents. Puis, c'est ça. Ensuite, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a un autre petit marché de Noël dans un autre village proche. On va peut-être faire ça le matin. Puis, je risque de retourner à la maison au cours de la journée avec toutes mes boîtes de Noël. Parce que, justement, mes parents, en fait, quand j'ai déménagé, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, puis où est-ce que j'étais dans mon jumelé que je louais à Waterloo, pour vrai, il y avait vraiment plus grand. Là. Tu sais, c'était sur plusieurs étages. Il y avait plus de rangement, plus d'espace. Là, on dirait que mes choses de Noël rentraient pas. Là. Je sais pas où je les aurais mis. Donc, j'ai mis ça, j'ai laissé ça chez mes parents. Mais là, je vais partir avec parce que j'aimerais vraiment ça décorer. Lundi, c'est ma journée de congé d'allègement. Fait que je pense que je vais décorer ma maison.
pour Noël. Puis voilà. J'aime vraiment juste ça, que ma fête soit passée avant que je décore. Je vous dirais, je suis une accro de Noël, si vous ne le savez pas. Je sais pas si je vais me lancer dans le vlogmas. Peut-être. À suivre. À suivre comment je vais, comment je file. Je vais peut-être en faire quelques-uns par semaine sans dire que c'est à tous les jours. Je vais penser à ça. Mais voilà, que je voulais vous dire un beau coucou, puis tenir au courage. Je vais vous amener avec une dans la journée. La clôture est barrée. C'est très long. Les poules en haut. C'est sécuritaire, là, ce café? Vraiment solide. OK. Roger a dit ça, c'est... Ah, c'est Roger qui a dit ça, bon, c'est bon. C'est solide, c'est neuf. Bon, des poules dans les airs. Puis en bas, ça va être quoi? Ils vont faire cacao, les poules. Sur la... C'est pas mal à l'air, là. Ouais, ça fait quoi, genre des tiroirs à marbre, petit les bébés, ils vont être en place. Allez, il va falloir qu'il y ait une glissade à poule ici. Bon, mais... C'est notre manon que Roger... à la cabane à sucre au bec sucré. Donc, c'est ça. On vient d'aller visiter son étable là, qui est en train de rénover, d'agrandir. Là, ben, mes filles vont aller faire un peu de bertiste. Je suis allée au marché Noël, mais c'était comme trop gênant pour filmer. Je vais juste vous montrer c'est quoi mes achats éventuellement. C'est sûrement demain. Et il y avait des belles affaires. Puis c'est sûr que, tu sais, on dirait qu'on sent un petit peu, ben, pas qu'on soit obligé d'acheter, mais un peu. Mais honnêtement, j'achetais quand je trouvais ça super, puis ça me fait plaisir d'encourager des gens d'ici, de proche de mon village. Vous montrer Abby comment elle est bonne. T'es pas mal bonne. Fais ça toute seule. Non, faut attendre papy. J'étais bonne, hein? Très bonne. Veux-tu la refaire de l'autre bord? D'accord. En attendant. Wouhou! Une championne! Lui, il est sociable. Allô, général Tao! Comment, crise d'adolescence? Et Tao! Non, moi, vraiment pas. Avec les cheveux dans le visage. Les cheveux dans le visage! Dans... Oh, t'es fine, Abby, mais je sais pas s'il va venir. Oh! Non, il a pas de créature, c'est pour ça que. Ah, oh, ben oui, hein. Il a pas de créature, il va y avoir un choc. Pour vrai, il est beau. Il est gentil, mais il aime pas ça. Mais il n'y a pas besoin. Ah. On va rester ici, regardez Martin. Salut mon ami. C'est pas beaucoup, hein? Une... Hey! Mange pas mon manteau, toi! Hein? Ok, Abby. Seigneur, t'es pas peur. Non, je voulais donner! Oui, mais on n'est pas à la bonne place. Il n'y a pas faim. Toi, ça gaz? Quelque chose a pris, là. Il n'y en veut pas. Quelqu'un qui peut m'enlever ça de mon toupette ou... Ah, il a déjà coupé une toupette. Quelqu'un peut y enlever de son toupette. Abby, si tu veux juste prendre un choc là, pour vivre le moment présent de c'est quoi un choc électrique. Mes chocs à collecter, là, mais... Pourquoi ils ont des grosses vêtements? Parce qu'ils ont des mini-jambes. En magasin, ça n'a pas l'air si long, hein. Puis honnêtement, il m'en a montré qu'il montait jusqu'aux genoux. J'étais comme, je pense que ça ne fera pas. Wow! Combien? 4 000, ça fait la bordure. Ça fait ça, 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 ça fait ça,
Oui. Mais c'est ça, les bas de Sorel Martin, c'est les moins hauts chez les enfants. Les Kamiks aussi sont pas pires. Les Selajades, c'est des Kamiks, c'est le fun parce que regarde, ils se. Non, mais tu sais, mettons, ils sont pas raides, puis elle prend juste un gros velcro. Voilà. Ah, je vais m'enlever dans le jambe. Bon, fait que ça, c'est quoi, Martin? Ça, c'est un topinambour. C'est spécial, mais regarde, la différence quand même, un coup brossé, là. Parce que c'est assez brossé. C'est très bien brossé. Ça, ça goûte comme les patates. Yish! On sait pas, ça, on va faire une poutine. Ça coûte, moi. Ouais. Mais voyons, c'est... C'est un topinambour. Ben, c'est un légume racine. On s'est fait une poutine la semaine passée de topinambour, patates douces et carottes dans la scutobie. Que tu m'as donné. T'as mangé, t'as cueilli ça où, là? J'ai cueilli ça dans mon champ de l'école, à ma ferme. Oh, Martin travaille sur une ferme. Ouais, fait du tracteur. Ferme ferme avec des chevaux, des vaches, des poules ou juste. Avec des légumes, je dirais. Juste des légumes. Et des tracteurs. Ah. Ben, on a aussi à côté une ferme avec des cochons et des chevaux. Ça sent pas chevaux. Toujours bon, là. Ben non, on est à Quatica. Ça sent Quatica. Ça sent autant la crème glacée molle que la petite vache qui... qui rit. Non, ça, on regarde-tu, ça? On va le couper. Ça, c'est la tige. Là? Hein? Mon Dieu. Très fort, alors je prends pas tant. Bon, hé, là. Oh là, je pense que s'il faudrait là, Martin, la. On va la couper, on va la couper parce que là, il y a comme on une. Peut pas aller dans. C'est comme des fois des gens qui ont des plis gros, c'est pas facile d'accès pour laver à crasse, là, mais c'est ça. Ça, c'est comme une. Des mains des enfants. Hé, mais oui, c'est des mains. Oh, c'est funky, funky. Chouic, chouic, chouic. Funky, funky. Oh, oh, là là. Hip boy. T'es sûr qu'il n'y a pas de jamais? Wow, pas d'amour, oui. OK, c'est assez. OK. On peut mettre le bouchon. Prochaine. Suivant. C'est toi, Abby, la suivante. Puis je vais faire les autres parce qu'ils coulent en petit papier. T'en veux pas manger. T'as vu la technique à Martin? Oui. T'as pas besoin de ceux-là. C'est pas spé. C'est bon, ça. C'est quand est-ce que c'est pas spé, mon cœur? Avec... T'as assez, Abby. Abby, assez. On dit assez, pourquoi? Tu sais, c'est quoi, écouter les consignes? Mais fais-le. Wow! Qui veut mettre ses mains là-dedans puis brasser? Maman! On y va, Jeanne! Et comme ça, là, puis... Vas-y, ma maman! Non, je suis Abby. Non! Bon, moi, je vais le faire. Ah ouais, vas-y, Joanie, elle sauve. On mélange les... Y a-tu assez d'huile? Je rajouterai une petite affaire. Oh boy! Doucement! Non! Doucement! Oui, penche! Penche! Ok! C'est bon! Oh! Oh mon Dieu! Finalement! Ricardo! Ricardo plein de bile! Miam, miam, miam! C'est bon! C'est prêt! Hey, c'est prêt! Il reste juste à cuire ça, là! Oui! Ninja! On est en préparation de faire les belles petites mini poutines! Il reste. Oh, t'as mis ça dans un beau saucier, la grosse. La grosse affaire! Sauce de Saint-Hubert. Oui. Bon, tu arrêtes de taper foufoune. J'aimerais avoir fourchette pour l'assiette. Un moment bien. Ah, ça va être beau, ça. Fait que là? Bonsoir. Bonsoir. Madame Loisel. Madame Loisel. Ici, une mini poutine de topinambour avec de quoi tu coupes, mais fromage lac mégantique, porc effiloché du plaisir. De l'épicerie. Au niveau de Brompton et la sauce de Saint-Hubert. Alors, tu me diras quand arrêter. Wow! Alors, c'est un légume cueilli par moi-même. Ah oh, oui, c'est pour un capacité. Je pensais qu'on avait un peu de tout le monde. On partage tout
ma petite mini là. Non, une chaque quand même. On a une chaque. Ils sont généreux, hein? Oui, alors vous me dites d'arrêter. Allez, OK, pas de sucre là. On finira avec une tranche. On finira avec une tranche. Wow! Oui, Janine. C'est vraiment très, très bon. Très, très bon. Très, bon. Très, très bon. On approuve, hein? On approuve. Oui, on approuve. On approuve. On approuve. Voilà. Time to shine. Hey, tu popes ça à quoi? On est en grande captation vidéo aussi. Pas le temps de pita bite, là. Pita bite, la galette. Commandité par Janine. Coupé! Coupé! OK, Marie. C'est important, c'est comme un souhait. Ah ouais, c'est important? Ben oui, c'est important. Oh, mais j'ai pas vu ça à ma 36e année. Je suis vieille. On va voir le 40. Plus vieille que Joanie. Ouais, plus vieille que Joanie. Mais moins vieille que Martin. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. C'est bon d'y rappeler. Mais non, mais je veux juste être heureuse. On va être déjà bien. OK. Parfait. Au bonheur. Au bonheur. C'est tellement le fun. Si, hein, t'as pas fait des bulles. Mais non, j'ai pas de suite 40. T'as pas 40 quand même. Je dis, je m'en allais vers le plus de 40 que le 30. Les flûtes ont 1976. Les flûtes, ils ont quasiment 50 ans. C'est vrai, c'est les flûtes des Olympiques. Ah, OK. Les parents. Ah, mais oui! Mais oui! Ouais! Ouais! 2 minutes 30 plus tard! Ouais, c'est pas pire, là! Bah, bon, outre moi! Mais... Wow! Ouh! À votre maman, oui, c'est correct, à votre maman. C'est de la part de qui? Jade, là, c'est Jade. Ah, ben oui, il y a tous tes collants d'Halloween. Et deux petits chantiers, la petite pointe, Je ne dis pas, là, tu me regardes les yeux. Alors, Ali, tu ris. Bon, alors, commence, ça. Bon, mets ta main dans ta bouche, là. Maison, les petits chantiers. Ah, la petite porte est fermée. Oh, non, il n'y a pas. La petite porte. Ding, ding, ding! Bonjour, je dans le visage.
Est-ce que c'est 6 ou 36? Oui. Ah ouais, c'est quand on fait un vœu, il faut penser à quelque chose qu'on veut. Pensez okay? à moi. Ouais. 1, 2, 3. Ouais! Ça n'a pas marché. Bon, c'est à ton tour. C'est une carte cadeau. Elle doit aller au spa encore. Je vais aller au spa. Non, elle n'a pas fini par là. Mais non, c'est le même. Ah, ok. C'est là. Ben voyons, désolé. Là. Spa Bolton. Là, j'ai le forfait Bolton traditionnel, mais qu'on ne sait pas c'est quoi, maman. C'est quoi? C'est massage et. Massage et bain. Et bain. Non, mais dans tout ça, Réjeanne, c'est qui gagne? C'est toi. Joanie, après, c'est ton parrain. Non, mais c'est quand même, c'est moi qui gagne. C'est toi la gagnante. Après, c'est ta marraine. Moi, je suis deuxième. Eh oui. Hey, on a 2 points là. Non, on va t'en visite. Wouhou! Comment ça, elle va même pas regarder de... Étape! C'est beau. Là, ici, là. Wouhou! Tu faisais un genre de drift en même temps. Au moins, ça va faire du temps à la suite. Ouais. Ouais. Elle avait peur de lâcher son écrit libre. Oui, c'est pas. Tantôt, elle les a levés beaucoup, hein, Rabbi? Ça dépend si on va assez vite. Oui! Bravo! C'est bon, mon amour.